Donc on se retrouve pour la deuxième demi-finale de la RSK. Donc des fois on se tape des barres, on comprend pas trop pourquoi, c'est parce que il y avait Sacha avec nous, mais on l'entend pas, bah voilà, parce qu'il a pas activé le truc. Donc je suis désolé, mais voilà, mais c'est pour ça qu'on se tape des barres tout seul. C'était une bonne ambiance. Donc c'était vraiment une vidéo bonne ambiance, donc voilà. J'espère que vous avez kiffé et tout. Donc je suis vraiment déçu qu'on n'entende pas Sacha parce qu'il nous a vraiment trop rire. Voilà. Bonne vidéo. Les 90 qui sont faits. Les gars, vos pronostics, s'il vous plaît. Moi je parie 3-0 sur Paul. Moi je parie sur The Bus. Je mets 10€ sur Arthur. Bon, en fait, on va être franc avec vous, les gars. Bon, on a recommencé le truc parce que Arthur il faisait que de ce box. Voilà. En fait, Arthur c'est un petit jeune homme qui est assez stressé dans la vie depuis le jour. Ah, j'avais pas muté, merde. J'avais pas muté, merde. Ah, mais tu m'as tué, ah, vrai, ouais. Tu m'as tué. Mais c'est vrai, les gars, wesh. Ouais, ce qu'il a pris, ma gueule. La petite anecdote chez Arthur, aujourd'hui avec son frère au lycée. Arrêtez les gars, pas de vie par soi. Ah, je... Oh. Ça trash. Oh, Arthur qui trash. Ça, j'entends pas, je les ai mutés. Il a dit quoi? Il a dit. Bah alors Paul, tu stresses. Quoi? En fait, attends les gars, j'ai mute parce que vas-y, mute les mecs. Mais moi, j'ai déjà mute, hein. Ah, c'est bon, j'ai mute, man. C'est bon, j'ai mute. Ah, vous avez pas mute quand vous disiez Arthur, je dois me trusser. Vous savez qu'il tryhard leur mort, mec. Non, Paul, il tryhard pas. Hein. Yo, calme, Paul. Oh. Meilleur tournoi que j'ai jamais organisé de ma vie, les gars. Bon, c'est nul. Ça va être trop drôle, mec, sur YouTube. Hein. Oui, prends les gars, j'irai les gars, Arthur, il est vraiment stressé. Oh, et les gars, je vous ai dit, les gars, Arthur, il est chaud. Mais Arthur, non, mais il a juste boxé ce truc. Arthur Arthur Marie. Ah, je rigole. Mais non, mais il a dit le prénom Arthur, de son père, en fait, c'est ça que t'as pas coulant. Compris. Robin, elle balance le prénom du père d'Arthur, c'est pour ça que c'est qu'en fait tu peux pas choisir sur YouTube. Oh, Victoire d'Arthur, magnifique. Oh, Arthur, t'es trop chaud. Arthur. Le petit jeune homme tressé qui l'emporte. Arthur, viens. Le petit bonhomme stressé. Les gars, on va continuer à dire ça, mais les gars, ça me fait vraiment déstresser, continuer de dire ça. Le petit jeune homme stressé. Allez, je l'ai remute. C'est quoi ce délire? Ça me fait déstresser de dire ça. Ok, vas-y. Détruis. Moi, je veux que Paul y gagne. Non, moi, je veux que Arthur. Bien joué, Arthur. Comment c'est possible que tu fais cancer comme ça, gros? Paul, je les ai tous mis sauf toi. Donc moi, je veux que tu gagnes. J'ai parié 3-0 sur toi. Ouais. Tu veux jouer cancer comme tu veux, mais mec, 100% tu veux gagner. Ça sera dans la vidéo, m'en bats les couilles. Tu sais qu'il l'appelle le petit jeune homme stressé, hein. Vas-y, je te remets. Ouais. C'est lui. Je sais pas, il a des types de nats. Non, t'es sérieux là? Non, ça compte pas. Ça compte. Et le petit jeune homme stressé qui vient de perdre un point. Sacha, c'est vraiment qu'on sortit ça. Ah, t'es vraiment stressé. Ouais, bah oui. Bah oui.
On aurait dit une vieille phrase de drogué. Bah ouais, je suis stressé. Je suis un gros toxico. Quoi, les gars? Quoi? 3, 2, 1. Mais si je gagne, mec. Non, mais non, mais. Oh, il a triché. De qui, Arthur? Il a triché. Non, l'autre. Paul, il a pas triché. Oh non, pourquoi tu vas pas commencer à jouer? Vas-y, je les mute. Mute les Robins. Donc on voit WMQ qui est la hauteur, qui a overbuild un peu, hein, mais c'est le style de jeu de WMQ. Donc voilà. Donc on voit WMQ qui essaie de jouer pas trop en overbuild, mais qui prend quand même la hauteur. Bah si, mais Timothée c'est un bâtard, wesh, il voudra même pas, wesh. Donc on voit WMQ qui domine carrément le fight. Donc qui a clairement mis un gros laser à Arthur. Mais faut comprendre, le petit jeune homme stressé ne peut pas jouer. Ah, non, gars, en vrai, on rigole hein, les gens avec Arthur, hein, c'est un mais peu. Non, mais il est vraiment stressé par contre. Il stresse en fait, il stresse pas, normalement, mais genre il stresse juste parce que voilà, c'est un tournoi et tout. Si. Vous allez checker là, ma vidéo avec Arthur, je leur offre un cadeau si. Comment dire, si je suis gagnant bien. C'est Ken en BF et vous pouvez voir que on en parle de ça, de comment il stresse, il en parle très bien même. Il voilà, ouais, il c'est est une vidéo sur ma chaîne. D'ailleurs les gens, je vous mettrai la chaîne K2K en description, donc c'est la chaîne de ma team. Donc que Sacha, c'est Sacha qui gère, donc c'est Goku. Donc 2-0, 2-1 pour Paul, 2-1. Ouais. Et 2-1 pour Paul, donc c'est le dernier BF, je pense. Ah non, c'est BO5, ouais, BO5. Donc voilà, 2-1 pour Paul, GG. Paul, faut que tu marques encore un point et Arthur, faut que tu te rattrapes. Bonne chance à tous les deux. Non mais Arthur, quelqu'un a le numéro de Timothée là parce que il a commencé à me les casser le mec. En même temps il a un peu raison, hein. T'étais pas là même quand... Non mais je que non, mais... Mec, t'arrives pas à l'heure... Ouais, t'as vu, tu fais le bâtard comme ça. T'arrives pas à l'heure au brevet mec. Tu te fais virer hein, t'as zéro. Et mec, à chaque fois lui, j'avais proposé mec, lui-même. Ok, mais on va le forcer, t'inquiète. Un bâtard, ouais. Mais t'inquiète, on va le forcer. Mais c'était mieux avec Sacha qui commence. Ouais, mais je sais pas, il fait quoi cet enculé? Mais non, on est sur les 20 volts! 2-2. Merde, c'est pas joué! Moi, je suis sur le bus. 2-2, les gars, donc c'est hyper serré, moi je m'attendais pas à ça. Pour vous dire, j'avais dit les pronostics, hein, j'avais dit 3-0 Paul. Mais attends, ça va, au moins l'honneur, l'honneur, l'honneur! Mais putain, je suis sur les 20 volts, les gars! Bon, les gars, donc on va recommencer ce build fight. Et c'est le dernier BF de ce BO5 de la demi-finale. Donc la demi-finale, donc celui qui gagnera en finale. Donc voilà. Donc c'est le dernier BF, c'est très important. Donc je les encourage tous les deux. Là j'ai plus de pression. Mais non, sur les 20 volts. S'il vous plaît, wesh les gars. C'est quoi ce délire? On s'en fout, bon, c'est pas grave. Et ben c'est moi je suis sur ce bus. Qui? Non, n'importe quoi, c'est nul. Je suis sur ce bus moi. Non, et Zobius qui fait ses petites techniques, qui marche assez bien, je l'avoue, je me foutais un peu de sa gueule, mais ça va. Donc, par contre, qui overbuild un peu Zobius. Et il met une balle, moins 33 à Paul. Paul qui prend moins 33. Moins 33, ça peut changer la donne parce qu'il peut pas régénérer ses moins 33. Quand tu perds dans le shield, il faut pas prendre les 50 premiers, c'est le plus important. Ah, Zobius qui se prend un moins... Vas-y, t'es suspect, mais... Moins 44, je crois, un truc comme ça. Donc, il y a plus que 156 HP. Donc Zobius je peux pas revenir après. 650 HP sont perdus. Et Robin qui est en train de chouiner parce qu'il peut pas avoir le dernier fight. Ouais mais je peux même pas revenir à la créative. C'est pas grave. Je peux rien faire. Donc les gens, on va sûrement faire des live fan zone le samedi soir, ça arrivera souvent. Donc vous me dites si vous voulez ça. Ce soir aussi. Ouais. Ouais, on va faire des live fan zone avec des gens. Bref les gars, sous le fait Timothée, les gars, j'allais manger les gars, il est 21h40. Ok. Ça se termine le ramadan aujourd'hui? 46. Mettez tous un pouce bleu pour soutenir Robin et son ramadan. Eh bien, excuse pour avoir des pouces bleus, tu sais. Mettez un pouce bleu, tous ceux qui font le ramadan, tous ceux qui soutiennent le ramadan. Tu penses que je bats Timothée? T'es con, toi. Non, ça compte pas. Non! Mais non, on peut pas compter il ça. Il est tombé, chute fatale. Il est tombé tout seul, les gars. Si. Le mec, il tombe de chute fatale. Non, lui aussi, il a pas de chute fatale. Quoi? Non, arrête, ok, bon, bah, victoire de Zobius. Yes!
Bon, yes, yes. Bravo à Zobius. Donc Paul pour moi qui était au niveau, mais il s'est fait battre par Zobius parce que Zobius avait plein de techniques. Zobius ferme ta gueule. Donc voilà, donc Arthur qui a bien dominé le fight. Donc je pense qu'Arthur tu vas passer sur sa chaîne ou pas le build fight. Ouais, vas-y, je l'enregistre. Je mettrai la chaîne d'Arthur en description, la chaîne de K2K. Donc voilà, donc la finale, il va y avoir Zobius déjà, c'est sûr. Donc Zobius gagnera au moins un camo. Yes. Donc il est sûr de gagner quelque chose. Oh, donc, oui, voilà. C'est vrai, j'ai un camo, yes. Non, un skin. Non, mais le deuxième, il a un camo, déjà sûr. Ah, ok. Et donc voilà, donc c'est la demi-finale. Donc vous savez peut-être déjà contre qui ils vont tomber, mais nous en fait on a tourné qu'une poule d'un côté. Donc c'était ARS, bye et bonne vidéo.